Alors, j'ai eu une coupure de courant. Totalement. Sans prévenir ni rien. J'ai une coupure de courant, je suis désolé. Hop. Terriblement désolé. Alors, j'aurais juste deux, trois petites choses. Petit crash, non, j'ai une coupure de courant. Re. Heureux. Re, Lone. Heureux. Oui, j'ai pas. Oui, je suis Ouais. re-là. Bon, c'est bon. Ouais. J'ai Nice. une petite T'as une petite coupure. coupure de cou. Ouais, non, courant. Ah, oh, bah génial. Quand c'est pas le Oh, coup, c'est le bordel. courant, donc. Ah. Ah. Ah oui, du coup, j'ai pas la même couleur. Je Du pense coup. savoir de quel dessin tu parlais. Et du coup, moi je peux Si pas tu vous cliques rendre. sur le Wolfie, si tu cliques sur Oui, le carré je en bas, sais, je tu passes sur la sais. couleur. Mais du coup, je sais même pas c'est quoi la couleur. Je, Bah, c'est du un coup, je sais même musée. pas si je peux Oui, rejoindre, je du sais. coup. Normalement, tu peux re-rejoindre. Oui, mais il me faut le lien. Du coup, j'ai plus le lien. Quelqu'un peut poster quelqu'un qui a le lien? Attends, je vérifie si je l'ai pas encore. Ah bah nickel, Dark. Ok, De toute façon, je l'ai merci. encore. Ok, voie d'autoroute. Parfait. Alors. Vous allez rigoler, mais je me souviens même plus de la tête du logo. Moi j'ai dû le charger sur. Je crois que c'est ça. Alors à mon souvenir, c'est un truc comme ça. Bon, c'est bizarre, avec l'outil de droite, on ne fait pas des courbes. Exactement. Hop. Et je crois que j'ai même plus. J'y suis pas rien. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Je crois que c'est à peu près ça. Et pourtant, je l'ai accepté, Astou. Pourtant, je l'ai accepté. Je l'ai accepté il y a au moins 2 jours. Il y a au moins 2 jours. Toum, 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 toum. Et coucou Nolande, comment tu vas? Mais oui, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Oui, Astou. Oui. Non mais t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Hop, ok, faut que je relance machin chose. Tu peux mettre cette fameuse vidéo en fin de live? La vidéo de quoi, Glitch? Ah oui, la vidéo de Discord, putain, faut que je la regarde. Faut déjà que je la regarde en off, voir s'il n'y a pas de problème. C'est quoi la DMCA! vidéo? C'est un jeu, c'est un jeu. Hein? Ah, mais ah, putain, on était nombreux en fait. Ah mais oui, on est vachement nombreux! On est tennis. J'ai mis la narration, non? Pikachu mange une bonne pomme verte habitée par un asticot. Bon, du coup, à mon avis, ça c'est pas resté puisque t'es en train de me Oh dire. oui. Je pense pas. J'ai peut-être une idée de. Oui. Ah, mais c'est. Ah. Je confirme, c'est pas Oopsies! resté. Pikachu tient un truc chelou. Je me Ah. demandais ce que ça pouvait bien Bah, c'est être. dommage parce que ça ressemblait bien à une pomme. Enfin, ça ressemblait bien à une pomme. Ça ressemble à une pomme quand tu Quand sais tu que c'est sais une que c'est une pomme. pomme, voilà, ça ressemble bien à une pomme. Oh bah zut! Ah, point d'interrogation. Oui. Bah, c'est un truc chelou. Pikachu qui tient littéralement. Point d'interrogation, bien évidemment. Merci beaucoup la bananite! Merci infiniment à toi pour le follow, c'est super gentil, c'est super gentil. Un Pikachu qui se fait Merci, attraper, merci, merci. courage. Qui se fait attraper, courage. Ouh. Ah, je vois qu'il y a, je vois quand même qu'il y a des petits soucis par rapport à la Pokéball, hein, soit dit en passant. C'est pas les bonnes couleurs, les gens, hein. C'est pas les bonnes Oui, couleurs. mais j'ai eu ce dessin. Un Pikachu se fait attraper par un Pokéball. Pas un Pokéball. Non, c'est parce que je sais pourquoi, Dark.
Je crois qu'il y a eu à peu près deux fois le même round. Peut-être, j'ai eu deux fois le même dessin. Enfin, deux... Von qui promène sa brique de lait. Mais attends, mais j'ai jamais eu ça. Oh, ah, c'est ça. Ah. Un Wolfi qui traite Cryo. Cryo, ce n'est qu'un enfer. Oh, ma zut. Oh, mais quel enfer! Oups! Wolfie qui a trempé son museau dans sa glace à lava. Dans la glace à lava. Ah, la vanille! Oh merde! Ah bah, du coup, moi j'ai fait une glace à la fraise. Et j'ai pas le temps de le terminer, je voulais lui faire des jambes. Un loup qui mange une glace. Oui, toi, c'était pas assez compréhensible finalement. Bah pourtant, il a trempé son museau dans la glace. Je suis désolé, Krios. Mais non, j'étais obligé. Ah, loup! Je crois que c'est loup qui a marqué ça. Wolfi qui mange une glace. C'est pas loup. Wolfi qui mange une bonne glace. Oui, maintenant t'es du lait Cryos. On t'a tri. Oh bah zut! Ça faisait très. Roblox. Une patate loup. Une patate loup. Tout le monde a eu la patate loup jusque la fin, on est d'accord. Alors moi je sais pas vu que j'ai pomme de crash. Terre. Moi j'ai eu des patates vu que j'ai crash, à un moment. Vu que j'ai plus de courant. Oula. Oula. Plus trop en forme la pomme de terre. Oula. Mais non mais faut pas avoir honte Little Sush, t'as vu on dessine tous comme des patates. C'est qu'à nous dire, oui. Quand tu verras ce que j'ai dessiné. Mais par contre, Papy Doudou, il y a un petit problème technique. La patate, elle est à moitié morte. Une patate qui fait un malaise. Oh bah oui, tu m'étonnes. Oh bah zut. Oh bah oui, la patate, elle est morte. Une patate morte. Oh non. Et bien sûr, c'est du bio. Heureusement. Oh oui, je reconnais bien. C'est du lucryose, voyons. Oh bah zut, mais quel enfer. Rip patate hashtag rip potato dead on ground. M'en dites pas plus Little Sush, m'en dites pas plus. Oh bah zut. La patate est restée hein. La patate est restée jusque la fin, c'est le côté positif. C'est le côté positif. C'est le côté positif. Une banane qui mange. Une banane qui mange, tout simplement. Oula. Miam. Miam. Ah. Mais attends, c'est pareil, j'ai jamais eu de banane. Alors moi une j'ai pas eu le temps de finir ça. Là. Écraser. Moi j'ai pas le temps de finir. Pourquoi se fait écraser, Miam? Ah putain, bah du coup je sais comment ça finit. Moi j'ai pas le temps de finir une mon truc. Qui donc la banane a disparu. Ah oui. La banane a disparu. Voilà. Et pourquoi la banane a disparu, Loun? Parce que j'ai plus de courant. Oh non. Une voiture qui fonce à 200 km/h. On voilà. Dirait Wolfi. Et bien évidemment, voilà une voiture qui fonce à 200 voilà, km/h. Tout de suite, on dirait qui? On et dirait Wolfi. Et aussi. Voilà. Et voilà la réputation. Oh bordel. J'aime bien Wolfi, 200 km/h. Une voiture bleue sur 200 km. Ah, sur 200 km. Ah ouais. C'est une grande voiture. Oui, c'est très grande voiture, 200 km. Bon, en tout cas, là, c'est une voiture vachement coupée sport. On prend note. Pour le coup, ça ressemble un petit peu à la Honda Civic. C'est pas la Jackie Tuning, c'est la Wolfie Tuning. Mais bienvenue, Darky. C'est la Wolfie. Darky, comment ça va? Ouh. Mais je alors, ce qui est marrant, c'est que bon, j'ai pas de. J'ai mon avatar qui a disparu. Savoir où c'est parti. Ouais, malheureusement, je pense aussi bon, ben. Non, moi, j'ai un petit loup. Quatre pattes regardantes, Witch. Oui, je suis avec Wolfie, oui. Mais là, j'ai mon avatar qui a disparu parce que j'ai une panne de courant là, et du coup, l'avatar, il a pas plein envie. Hein, tu srimaques. Ben non, nous sommes même là. Nous sommes en Vogue. Nous sommes en Vogue. Et merci beaucoup, Darky. Merci beaucoup. Ah oui, du coup, je comprends mieux. C'est vrai que nous sommes en Vogue, Wolfie. Mais attends, comment ça, le mot Twitch qui part en couille? Le mot Twitch, quoi? En cuille, bien évidemment. En même temps, t'as vu l'œil droit. Mais merci beaucoup, en tout cas, Darky. Merci beaucoup. Mais pourquoi à la fin, ça a fait un logo Twitch parfait? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Logo Twitch vraiment beau. Mais avouez que mon logo Twitch était beau. Mon logo, il est beau. Ouh, Dumpy Boy. Oui, d'accord. Le logo Twitch bien fait. Oh. Ah, merci. Oh. Franchement, il était plutôt bien fait. Pas mal, pas mal. C'est vrai que j'ai après, pas mis la bonne couleur. Après, c'était produit. Non, le logo Twitch, franchement.
Par contre, moi, tout je le voyais t'inquiète. Plus comme ça, mais j'ai en fait, le dire, ouais, j'ai pas plus, le dire. Effectivement. C'est vrai que la barre, elle est plutôt en dessous que sur le côté. Mais ils ont alors, tous bien vu. J'ai eu un modèle, j'ai tourné la tête à gauche. Et il y a Batman qui mange une pizza Mario. Il y a le logo dans l'onglet. Retour. De quoi? Dans l'onglet. De quoi tu l'as pas? Ah, mais oui! Ah, mais oui, que je suis con, j'aurais dû juste baisser la tête, je l'avais, Twitch. Oh là là, mais le boulet. Oh. Pac-Man mange une pizza Mario, mais ça, c'est pareil, j'ai jamais eu. Ah, c'est pas resté. Pas de chips qui fonce vers une pack patate de McDo. Mais quel enfer. Pas de patate. C'est con, ça. Pas de patate. Bouc. Oui. Ah, d'accord. Ah, c'est devenu ça. C'est devenu ça, ce truc. Mais pourquoi McDo? Mais... Attends. Mais parce que McDo... Deux pommes de la terre vont à McDo. Mais... Ah, je sais. Le chapeau. Le chapeau rouge, avec le M. Oh, bah zut. Mais c'est quoi le rapport avec McDo? Mais... Deux patates c'est qui rouge. Rentrent dans un immeuble. M. Oh, bah zut. Oh, la fameuse coupure de courant. Mais il était le McDo. Des patates qui rentrent dans leur maison. Bon, bah pour le coup, ils sont plutôt d'accord, Rep et la banane. On dirait plutôt des nuggets par contre. Les patates sont devenues nuggets à la fin, effectivement. Les patates sont devenues nuggets à la fin. T'inquiète, il n'y a rien de choquant au Peggy 18. Non, il n'y a rien de choquant au Peggy 18. Tout va bien se passer. Wolfie.exe stop dorking. Mais c'est pareil, ça, j'ai jamais eu. Stop dorking. Dorking. Ah bah c'est peut-être pour ça. Ah, je sais en quoi c'est devenu. Le mesure qui tient les panneaux stop sur la route. Ah? Attends, mais c'est pareil, j'ai jamais eu ça. Ah, c'est bon, je sais ce que c'est devenu. Oui, moi aussi. Wolfie qui se demande comment traverser la route. Oh bah dis donc, comment t'as deviné que c'était moi? Ah, mon degré ça crache, parce que j'ai pas dû faire quelque chose qu'il fallait pas. Avec le fameux panneau 130. Un pot de fleurs dans une piscine. Re, stone 2, re. Ah bah ça pour le coup, j'ai voilà, presque voilà. Un chair et un os. Une cette fleur fois-ci. Dans une moment, piscine. Pense. J'étais oui. Obligé de faire crash au OBS oui, pour que ça Gartic, marche. Oui, du Gartic, stone 2, du Gartic. Un petit Gartic faune. On dirait Chloé, mais bon. Une fleur dans l'eau. Une fleur dans l'eau, on est d'accord. Ça c'est resté à peu près jusque la fin, je crois. À peu près. Bah, moi, en tout cas, jusque là, c'est resté. Alors, une fleur qui pousse dans l'eau. J'aime bien les petites bulles d'air, quand même, qui sortent ouais. De la... Bien évidemment, bien évidemment. Et oui, le loan est revenu. Mais oui, c'est quand même... une fois sur deux, je suis obligé de relancer OBS pour que... Une fleur se baigne à la piscine. Pour que la virtual caméra s'active, en fait. Parce que de base, OBS n'arrive pas à trouver la virtual caméra. Eh, mais la piscine a fait son comeback. Et c'est très, très chiant. Ça, c'est incroyable. On avait perdu la piscine, et maintenant, on a récupéré la piscine à la fin. Ouais. Et oui, comme quoi. Par contre, il y a l'eau qui était plus grande d'un côté que l'autre, mais bon. Un Kirby qui crie, pour détail. Oh, mais ça, c'est pareil, j'ai jamais eu. Moi non plus. Oula. Oh, pourtant, c'est. Non, mais. Hey, c'est quand même assez compréhensible. Mais pour c'est quelqu'un quoi, qui connaît le truc, c'est compréhensible. Mais cet œil. Cet œil blanc qui part en couille. Oui, oh, détail. Un Pokémon qui. Ah. Si. Ah, effectivement. Ah, mais je sais. Et toi, évidemment, t'as dessiné un Pikachu. Oh yo ! Exactement la bananite. Pauvre Pikachu qui se fait attraper. Bah oui, pauvre Pikachu. Ah, mais c'est pour ça que c'est là que j'ai eu le dessin de la Pokéball. Voilà, mais oui. C'est celui-là que j'ai eu. Exactement le même. Oh, mais c'est presque le même, mais oui ! Oh ! Mais c'est un truc de dingue ! Mais quoi ? C'est le même, hein ? Pour garder. Oui. Pikachu qui lance le logo Pepsi. Ah bah voir rouge et bleu c'est Pepsi. Ah bah oui, ça, rouge et bleu c'est Pepsi, on est plutôt oui. D'accord là-dessus. Oui, on est plutôt oui, d'accord là-dessus. Ça peut être aussi une Super Bowl. C'est une inauguration qui lance. Ah d'accord, ah oui. Ah oui, oh ah, mais bien oh pensé ça dans le Casera. Bien pensé. Ah ouais, Pikachu qui lance le fameux nouveau logo Pepsi, mais bien évidemment. Bien pensé.
Bien pensé, Lone. Mais oui. Lone Wolf qui a pas su quoi répondre. Hein. Non, mais parce que j'ai pas de cours, hein. Allô. J'ai fait deux fois la même chose. Mais non, ça, Lily. Mais c'est un truc de dingue. Mais pour le coup, attends. Mais oui, j'avoue. C'était par contre, qui avait fait le dessin Pikachu. Attends. On peut pas retourner en arrière. Si, si. Non, on peut pas. Si, si. Tu cliques en arrière. Ah. Attends, faut juste que je revoie ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est presque le même. Oh ok, on a vu celui-là. Lily Sips. C'est la même personne, forcément. Ouais, non, mais t'as vu, les dessins, c'est presque des calques. Regarde. Gobanir Pika. Oh, bah zut. Putain. Lucas mange une pizza. Oula, j'ai aimé ça. Lucas est pas resté. Ah, Lucas n'est pas resté, oui, mais par contre, une. Moi, je crois que j'ai aucun des deux. Pizza, un personnage mange une bonne pizza. Moi, j'ai aucun des deux. Visage donc, souriant. Visage souriant. J'ai eu ça. Mais non, mais c'est le non, retour mais... de Pikachu. Pikachu mangeant une pizza bizarrée. C'est bizarré. Non, mais c'était censé être une bonne pizza. Bah, Wolfie, c'est là que je disais qu'il était malade, Pikachu. Oh, ma zut, effectivement. Il a des petits problèmes techniques. Alors, oh my god, je m'appelle Lucas. Ah, ça marche, mais non, la bananite, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Non, mais 4K HD, c'est ça, hein, 4K. C'est des dessins 4K, là. Vous pourrez pas avoir une meilleure qualité. Alors, non, je suis quoi? Je suis... Je ruine... Je sais que Pika... Avec une pizza... Alors non, je ruine, je sais, Pika avec une pizza, Jojo's. Oh, mais Little Sush, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Little Sush? Quoi? Y'a plus d'efforts, non? Y'a plus d'efforts. Quoi? Plus d'efforts, je valide. Ah je oui, valide, y'a vraiment plus d'efforts. Y'a un gif pour quand quelqu'un dit quoi? Attends, je... Attends, ça par contre, faut vraiment que je le capture. Oh ah non, mais alors là, vous avez écrit un même, je crois. C'est excellent. Surtout le quoi du vocal était excellent. Quoi, quoi bien évidemment. Et merci beaucoup, Alexis. Merci infiniment à toi pour le follow. C'est super gentil. C'est super gentil. Merci infiniment à toi. Non, je peux pas me réécouter. Merci infiniment à toi. C'est super gentil. Ah, mon Dieu. Bon, bah, du coup, voilà, hein. Non, on va s'arrêter pas... là, je pense. Hein. Il tu veux pas l'écrire 19. Tu veux pas l'écrire quoi, s'il te plaît, sur le Discord? Sur le Discord? Ouais, en général, sans discussion. Mon Dieu. Toum. Wolfie qui me zappe, super. Coucou Lucky, comment tu vas? Ah bah écoute, ça change d'habitude, Lucky, hein. Ça change d'habitude. J'étais justement en train de me dire que ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu. Mon Dieu. Attends, mais je vois que le dernier message, il remonte de... Mais quoi? Voilà. Tu as pas accepté. Mais j'ai complètement accepté en plus, ça, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce boudel? Boudel. Bien évidemment, fur. On peut jouer, c'est fini. Bah du coup, c'était la dernière partie, ouais, Alexis Cat. Mais je pense qu'on en refera demain en fin d'après-midi. Le dessin était comment? Ah franchement, c'était des dessins de top qualité. Hein. C'était des dessins de top qualité. 20 sur 20. Non, vraiment que j'aille manger, il est déjà 21h20. Ouais. Mais je sais, Lucky, t'inquiète, j'imagine. J'imagine que t'as des soucis perso en ce moment, que tu travailles dur. T'inquiète. Bon, bah, c'était cool. On a vu du coup, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais aller manger, je vais aller me repaître. Je vais aller graille, je vais aller manger un loup complet, je pense. Question, Wolfie, oui. Tu préfères quoi, les Pikachu malades ou les patates malades? Oh, les deux, ça me va. Oh mon Dieu. Oh non, mais les pauvres dessins. Ils sont tellement chers. J'ai profité pour commencer à lancer Rimworld. Non, j'en ai pour 10 minutes. Attends, tu vas déjà partir sur du Rimworld? Oui. Il y a un problème. Quoi? Je compte pas finir le live. Tu vas pas manger. Merci beaucoup, enfin. Non, non, mais pas. Non, mais si, je vais manger. Mais je vais charger. Moi, toi, c'est super gentil. Le jeu va charger en même temps que je vais bouffer. Du cannibalisme, bien évidemment, Stone 2. Bah, merci beaucoup, c'est super sympa. Bon, bah, du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis, bah, des bisous.
Oui, Yo. Bonne soirée. Et moi, je vais y manger. Et bon appétit pareil. Pour ceux qui n'ont pas mangé. Oui, bon appétit. Et toi aussi. Bon appétit. Bon, moi, je vais aussi te laisser, du coup. Mais bonne soirée, amuse-toi bien. Ouais. Bonne soirée. Bye. Bon, nous, de notre côté, l'on va faire, c'est que on va finir là. On va finir ce du RimWorld tranquillement, pipouze. Le temps que le jeu se lance et tout, hop, le jeu va mettre pas mal de temps à se lancer, comme d'habitude. Le temps que le jeu se lance et tout, je vais manger le temps. J'aurai le temps. Hop, j'ai juste chargé les modes comme ça sera fait. Hop. Je vais faire ça. Bon app aussi. Mais bon app à toi aussi si t'as pas mangé. Hop, voilà. Hop. Et. Oui, je souhaite quitter le web. Ouais. Hop. Et je vais charger la sauvegarde celle-là. Hop. Du coup, moi, je vais bouffer. Je vous mets en pause. Je vais mettre un peu de musique quand même. Je vais mettre un peu de musique. Hop, un peu de musique pour l'attente. Ouais, fait des cookies sur la table. Mais j'aime bien les cookies, moi. J'adore les cookies, faut que j'en fasse. Je fasse plein de choses. Hop. Voilà. Bon, je vais réduire un peu, sinon. Voilà. Du coup, je vous mets sur pause et je vous dis à tout à l'heure. Thank you.
Ouais, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. J'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Le petit remords s'est lancé. Du coup, on arrête la musique. Je vous suis sur le jeu et normalement, tout devrait déjà être bien. Normalement, rebonsoir Kios. Et voilà. Parfait. Et let's go. Donc, on en a encore pour une heure ou deux, je dirais, de live encore. Ouais, il fallait qu'un jour je me repose à un moment. On va pas s'en sortir sinon. Hop. Alors. Où est-ce qu'on en était? Je vais aller voir qu'il farme quelques points si ça te dérange pas. Mais y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, tu fais ce que tu veux. Hein. Je ne t'oblige pas à rester. Hein.
Sinon, moins mieux. Toi, qu'est-ce que tu avais? Ah oui, on s'était battu contre Nukanweed. Il était là. Là, ici. Et qu'on s'était sorti plutôt très très bien. Toujours se reposer, je suis mal placé pour dire ça, oui. Même moi, ça fait 3 ou 4 jours d'affilée que je m'endors à 3h du matin pour me réveiller à 9h. Voilà, quoi. Je suis aussi mal placé hein, pour dire ça. Du coup, alors j'ai l'impression que le son est assez bas, j'ai l'impression pour vous. Ce qui est étonnant, parce que chez moi il est assez fort. Donc je vais l'augmenter pour vous. Je vais mettre à 17. Bon, ça devrait aller, je pense. Alors. En fait, c'est la musique qui est trop forte, en fait. Voilà. Le bémol au papa en matériel géré. Ça aussi. Ça aussi. Où est-ce qu'on a été nous des ressources? On avait un peu de bois. De toute façon, on n'a pas de bois sur cette carte donc. PS, je dors à peu près à 13h. Voir quand je suis vraiment fatigué, 15h par jour. Ouais. En vrai, ça va. 13-15h, ça va. Moi, à une époque, quand j'étais dans la dépression, je dormais très très facilement ces heures-là. Très très facilement. Pour même te dire, je m'endormais à 20h, 22h à peu près, pour me réveiller à midi, pour manger un coup, et me rendormir. Et je me réveillais à 16-17h pour remanger. Et après j'ai joué jusqu'à 21h, 22h quand j'avais envie, pour redormir après. Donc je faisais facilement des journées de 4-5 heures quoi. Quand j'étais dans ma dépression. Donc. Chasseur, on a pas dans la distance. On a beaucoup de prisonniers. Ah oui, c'est vrai que elle. Ouais, c'est vrai qu'elle s'était rebellée. Ok. Oh. C'est qui lui déjà? Mes cuisines, ok. Moi j'ai pas une dépression mais une sorte de phobie sociale. Ok. Je savais pas. Non, en soi c'est possible, oui. C'est qui Savannah? En soi c'est possible, oui. Ça m'étonne moitié, on va dire. Est-ce que je peux lui parler? Non, parce que j'ai envie de recruter maintenant, non? Ok. On a toujours un manque d'acier pour tout ça. Ah mais non, c'est Lio qui s'occupe de la construction. Oh, c'est pas très rare. Ah, je vais juste mettre ça. Du coup... Tout s'était fermé, donc du coup je n'ai plus rien, ni rien, quoi que ce soit. Oh, je n'ai plus... Je suis aveugle, en quelque sorte. Voilà. Hop. Let's go. Alors. Ok. Ah c'est vrai qu'on peut... C'est pas ça qui peut déchiqueter, non c'est pas ça. C'est la forge? Non. C'est quoi alors pour désassembler les trucs? Quel objet? Fonderie alimentée. Ah oui, je sais où c'est. C'est cette table là, je crois. Dans l'usinage. J'ai pas l'usinage encore. Trudy, Lio, ok. Toi, est-ce que tu peux le recruter? Non, tu n'avais pas envie.
Ah, vous êtes un amadoué. Voilà, comme ça, lui, on le recrute, c'est fait. Ça libère une place. Voilà. Felicia a donné naissance. Encore ? Ah non, non. Pas encore. Mais nice ! Felicia. Super, elle a son lit. Felicia a donné naissance. Et d'ailleurs, elle n'avait pas une autre personne qui était enceinte, d'ailleurs ? Mon gauche détruit. Ok, c'est Trudy qui est enceinte aussi. Ok. Bon, bah, on va bientôt avoir un deuxième gosse. Donc, du coup, l'outre. Oula, mais j'ai pas fait. Oula, il manque beaucoup de choses là. Alors, tu seras nourrice, tu seras geôlier, tu feras cuisinier aussi, enfin, l'outre, tu vas faire training, tu vas smelt, mais en secondaire, ok, Satsuki, tu vas fabriquer. Il y a toujours pas de construction, non. Au pire, constructeur, je peux mettre lui. Hein. Je peux mettre West. Même s'il vient de naître, c'est pas très grave. Ok. Psychologue. Gestionnaire. Chercheur. Nettoyeur. Tout le monde est nettoyeur. Quasiment tout le monde est transporteur. Notamment West. Je pense que ça devrait aller au niveau des transports. Et toi aussi, tu vas aussi faire de l'artisanat. Voilà. D'ailleurs. Hop, j'ai pas enlevé ça. Parce que on a plus. Mais. On a plus besoin de ça. Mais que j'y pense. On a trop de trucs. Est-ce que je peux. Moi je peux les assembler, on est d'accord. Non. Comment déjà pour les assembler? Non, c'est avec une table de tissage, non? Stabilité de boucher, stabilité de pissage électrique, c'est peut-être une autre compétence alors, enfin une autre tech. Et là c'est quoi? Couvre-chef utilitaire. Ouais, il y a quelques trucs. Quelques trucs, mais c'est bon. Hop. Alors. Je me replace deux secondes. Hop. Ok. Du coup. L'autre, ok, on s'en fout. N'a pas d'arme secondaire, Satsuki, tu as une bière, enfin tu veux une bière, mais non. Qu'est-ce qu'on a comme arme? D'ailleurs, quelles sont tes compétences? T'as deux en mêlée, en distance. Bah tu vas prendre le lance-flamme, mon coco. Je pense que ça vaut une bonne chose, mais Osef. Et arme secondaire. Voilà. Toi, tu as 4 en tir. Tu as 4 en tir. Tu vas prendre le Heavy Revolver.
Mais t'as mis à se foutre de ma gueule. Pas la ma distance, mais la cosa. Mais dis donc. Mais dis donc, madame, vous ne serez pas un peu de ma gueule? Lio, t'en es où? 2-3. Et toi, 11-4. C'est que toi t'es le chef, toi. Toi, t'es un chef de gang, non? Un truc comme ça. Tu es chef des arcs, ok. Et quels sont. Ouais, t'es bon en tir. Et un artisanat. Okay. Ok, ok. On a plus de granit? Ah ben non, oui. Oui, non, on va dire. Mais voilà, j'en ai encore 700, mais j'ai plus de construction. Plus de constructeur. Ok, d'ailleurs. Jeune cougar. Alors, je suis désolé, mais il faut réduire la population. Malheureusement. Un cougar. Ouais, voilà, on va faire ça. Comme ça, il va nous rester un mâle. Il nous reste un mâle, deuxième mâle. Non, un mâle, trois femelles. Alors, trois femelles, c'est peut-être trop. Je me dis. Miaou. Trois femelles, c'est peut-être trop, quoique. Non, on va la laisser comme ça. Ah, pourquoi on va le dresser? Ici, bon, là, faut qu'il creuse ici. Ok, toi, tu... Des arbres. Nous, ça me perturbe d'ailleurs. On en est où? Ok. Ça me fait penser que... Oups. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse une salle de batterie. Cool, on va mettre là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que... Ah, ok. Elle est privoise. Enfin. Elle dresse, voilà. Prisonnier. Oh, prochain parler. Elle est à nous. Lio. Oh, elle est redonnée à nous, plutôt. Ok. Il y a beaucoup de fer ici. Enfin, beaucoup d'acier, beaucoup d'acier. Et là, j'avais cru. Ça, c'est des chambres, moi, je crois que j'avais dit. Ouais, ça, c'est des chambres. Vu la forme que c'est. Faudrait que je fasse une autre cellule de prisonnier, mais je sais pas où la foutre. Et peut-être dans cette continuité-là, en fait, ici. Mais des prisonniers là. Le problème, ça va être chien à protéger. Alors, ce que je peux faire. Parce que là, ça, c'est la zone de recherche, ça. C'est qu'on peut continuer comme ça, le lier là. Le lier, c'est deux trucs ici. Mettre un accès par là, avec une belle salle ici, de prison. Ouais, je peux en faire ça. On pourrait faire ça. Vas-y, t'arrêtes de tout casser, toi, d'ailleurs. Pas tout casser. Non, c'est bon. D'ailleurs, ça manque de lumière ici. Hop. Voilà. Bon, ça va, la creuse, ça c'est cool. On va accélérer un peu le temps. Parce que là, ça va être long et chiant. Un niveau de la bouffe. Ouais. On est très bien.
un niveau aussi composant. On est très bien. Hop. Ah, Lio est de retour. Hop, je vais juste faire un truc. Bah c'est bon. Désolé. Hop, voilà. Hop, en deux secondes. Hop, sécurité, non, énergie. Voilà. Hop, voilà, parfait. Ah, vous dites? Ouh. Le Discord, ouais, je viens de voir ça là, c'est... Et ça me gâte parce que les gens ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas le fonctionnement de Discord et voilà.
Je vais après le message. Mais en gros, ils ne peuvent pas avoir l'IP. Jamais. Voilà. Parce que, déjà, à savoir, ce mec là, Bardo là, je sais pas quoi là, ça fait un moment que je le vois dans les chaînes. C'est dans les chaînes, je le vois tout le temps. Ils peuvent pas comprendre, mais voilà. Ça fait un moment que je le vois, ce nom, hein, depuis 2017, je vois ce nom. Et pour vous dire, c'est tout bonnement impossible, en vrai. Parce que Discord ne fonctionne pas comme ça. T'as aucune tu ne parles pas directement. Quand tu envoies un message, tu ne parles pas directement à la personne, en fait. Genre, c'est pas un message qui va directement. En fait, quand tu parles, quand tu envoies un message, ça va pas faire utilisateur à utilisateur. En fait, ça va faire utilisateur à Discord. Et Discord retransmet le message. Donc, tu vas à la limite avoir l'IP du Discord, en fait. Enfin, l'IP du WebSocket, qui est le mode de fonctionnement de message de Discord. Un WebSocket, qu'est-ce que c'est? C'est un tour de tunnel, en gros, mais où on fait passer des messages, où on dit non, IP serveur Discord, non, alors IP du serveur Discord, serveur machine, pas serveur type comment ça s'appelle, type serveur Discord comme avec les channels et tout, non, l'IP d'un serveur Discord type data center. Voilà, je parle de ce serveur là. En gros, un WebSocket, ça va servir à faire communiquer un back-end d'un serveur avec le front-end. En gros, la partie serveur et la partie visible de l'utilisateur. Voilà à quoi sert un WebSocket. Non, mais je vais essayer de l'expliquer un peu. Dans les applications web, il y a deux parties. En gros, la partie qu'on ne voit pas, le back-end. Donc tout ce qui se passe dans le serveur et tout. Et il y a la partie front-end, tout ce que nous on voit visuellement. Voilà. Donc les messages, autre chose, autre. Et en gros, ce que nous on voit, sur l'exemple de Discord, ce que nous on voit, que envoie le WebSocket. Si le WebSocket arrête de fonctionner, Discord est une page noire. Littéralement. C'est une page noire, si tu enlèves le WebSocket. Parce que Discord ne peut pas retranscrire données. Vu que Discord n'a pas de données à transcrire. Donc, déjà à partir de là, on sait que il ne peut pas récupérer d'IP parce qu'il ne récupérera que l'IP du serveur quoi. Enfin du serveur, la machine où est hébergé Discord. Du moins une partie du WebSocket. Donc à partir de là déjà, ce truc est impossible. Et à partir du moment où tu crées un message, t'envoies un message au WebSocket avant. En fait. Donc il y a déjà une étape avant. C'est pas du peer-to-peer Discord, hein. C'est clairement pas du peer-to-peer. Peer-to-peer c'est communication IP par IP. La connexion peer-to-peer de Discord, enfin, si une connexion peer-to-peer, on pourrait avoir une IP comme on voulait. Exemple, comment ça s'appelle Skype est du peer-to-peer et tu as des outils très très simples qui permettent de récupérer l'IP de la personne à qui t'es appelé ou s'est connecté. Parce que Skype c'est du peer-to-peer et Discord ne marche pas du tout comme ça. Voilà. Je veux qu'on soit clair sur ça et les gens n'ont pas à comprendre. Et j'ai mis longtemps à comprendre ça. Parce que ça fait 5 ans que je dev sur Discord. Et en 5 ans, tu apprends des choses.
tu apprends beaucoup de choses et du coup tu te dis ok, donc ce genre de choses en fait est impossible. Parce que moi cette rumeur là qu'on peut récupérer l'épée avec une demande d'amis, moi j'entends ça depuis 2017. À savoir, je n'ai jamais vu une personne récupérer une épée via une demande d'amis. Et pourtant j'ai ce truc depuis des années. Donc c'est tout bonnement impossible. Voilà. Et croyez-moi que si Discord avait cette faille, elle aurait été corrigée instantanément. Pourquoi ? Parce que les RGPD. Voilà, déjà. Déjà RGPD. Oui, je sais que c'est du langage alien, mais j'essaie de l'expliquer comme je peux. Voilà. Donc là par exemple ce que dit Nevermind, donc il dit j'ai vérifié lorsqu'on ajoute quelqu'un d'ami, il n'y a aucune transaction de données, sauf que le serveur est Discord, ce qui est vrai. Et encore je pense même qu'il y a une petite transition mais c'est limite en fait. Ils peuvent trouver une adresse IP en demandant des amis, non. Parce que ça n'envoie pas une donnée avec un ami ou quelque chose comme ça en fait. Tu n'envoies pas une demande d'amis via une épée, mais via un utilisateur. Via un ID. C'est l'ID qui te identifie. Adresse locale disponible. Et adresse PC qui ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses, mais bizarre. Ok. Donc en gros, je vais quand même réduire un peu la vitesse. Rien à voir avec les ordinateurs de la mort et de la pomme. L'adresse physique, ça ne sert à dispo un local. Oui, l'adresse, enfin la carte réseau, c'est du local. Oui. C'est normal, mais personne ne peut avoir l'adresse locale. Hein. Tout le monde a une adresse locale et tout le monde a globalement la même adresse locale. Ça, on est d'accord sur ça. Ceux qui acceptent ces demandes verront leur compte et leur adresse IP lui être révélée. Mais non, justement, elle ne va pas être révélée. Vu qu'il n'y a aucune transaction, elle lui dit lui-même. Il lui dit lui-même, dit « J'ai vérifié, lorsqu'on ajoute quelqu'un, il n'y a aucune transaction de données sauf avec les serveurs de Discord. » Voilà. Seul un petit programme peut faire ça ou en éditant une page web de Discord. Voilà. Donc en faisant du deface ou du spoofing. Ou du web spoofing ou je sais plus quoi. Et puis les options développeurs. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il puisse faire qu'il n'ait pas accès à votre PC. Depuis Discord vous prévient l'image ci-dessous. Alors, oui et non. Il y a des grab tokens qui existent, qui sont très simples, mais c'est une action venant de toi. Une action venant de toi, c'est toi-même qui exécute un programme qui te donne accès à ton compte. C'est pour ça qu'après là, je vais leur expliquer enfin, pourquoi c'est impossible. Pour ça, ils doivent savoir et on peut pas récupérer une épée aussi simplement. Faut pas croire que Discord est très très mal sécurisé, faut pas croire. Bon, tant pis, on n'a pas eu un enfant, c'est pas grave. Faut clairement pas croire ça. Moi ça fait des années que je dev sur Discord. J'en ai fait des cochonneries avec n'importe quoi. Le monde roquette et tout, et je peux te dire que c'est impossible d'avoir une IP. D'avoir une IP en clair et tout. Voilà. Mais il peut récupérer une épée, mais c'est je sais pas que c'est impossible, mais faut qu'il modifie la page web. Faut vraiment qu'il modifie la page web ou qu'il ait déjà un accès
un accès à ton réseau pour qu'il puisse te faire rediriger si tu vas sur disco.com, qui te redirige à un autre endroit ou qui te fasse du phishing, c'est-à-dire qu'il t'envoie tiens regarde cette je sais pas si vous avez vu déjà, si vous avez déjà reçu d'un pay free free nitro http machin chose discord gif un truc comme ça. Je vais montrer aussi quelque chose, j'ai des belles perles de ça. Comment... Alors c'était qui m'a... Enfin j'en reçois tous les jours de phishing. Parce que j'ai un compte qui vaut de l'or. J'ai mis deux messages perso. Mais je vais t'en montrer. Je vais te montrer un exemple. Non, c'est pas ça. Non. La protection. Non. Putain, c'est bizarre, j'ai plus les. What the fuck. Tranquille, non. Non. Aïe, non. C'est le mec qui m'a envoyé un aïe, je l'ai bloqué, quoi. Oh putain. À la violence. Non. Mais ça c'est bizarre. Bon, j'en reçois tous les jours de ça. Mais pourquoi je n'ai plus de fuck en fait. Et non. Salut, tu es là, non. Blabla, non. Ça c'est bizarre. J'ai plus aucun message. Au pire, ils enlèvent. Juste bot, non, ça c'est mon bot. Non. Hobby, non. Non. Luca, non. What? J'ai plus aucun MP de. Des gens qui ont fait ça. What the fuck. En plus j'en ai eu un récemment. Mais j'en ai eu passé où. Choc, non. Oh attends. Par magie, ouais voilà. Mais à mon avis c'est peut-être Discord qui doit les chut, virer. C'est moyen. Ok, vidéo non disponible. Donc je peux même pas vous montrer une vidéo. Pas une vidéo, entre guillemets. Oh oui, Koimao, non, 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 non. Peut-être que si je veux, mon compte sur Godard, parce que mon compte sur Godard a beaucoup de trucs comme ça. Il est fait exprès. Hein, il est... Par magie disparu, voilà. Je vais essayer d'aller sur mon compte sur Godard. Hop, logout. Hop, voilà, hop, hop. Alors si, pour ça, elle est bien faite sa magie Discord. Ouais. Alors si jamais, pourquoi je parle pendant que j'écris? Parce que il est possible, j'ai bien dit, il est possible, que, comment s'appelle, de récupérer le, via du machine learning, de récupérer les touches frappées via de l'audio. Donc, voilà. Voilà pourquoi je parle quand j'écris un mot de passe. Pour essayer de brouiller les pistes. Du coup, et c'est un scénario possible. Il y a une vidéo de ça qui explique très très bien. C'est... Ah mais c'est marrant. What the fuck. Détacher? Non, je peux pas le détacher, sérieux. Ah voilà, donc là, ça par exemple, ce genre de message là, si là, Discord gift, machin chose, n'y allez pas, bien sûr, c'est du, à part si vous voulez vous faire token grab et par d'autres comptes, c'est ce que vous qui voyez. Voilà, et ça en gros, c'est, ça c'est du phishing ça, typiquement. Et en gros, si tu te connectes, en gros, il va dire, ouais, vous voyez, vous connectez, machin chose, donc tu vas rentrer tes mots de passe et tout.
Et finalement, t'as rien eu. Et finalement, tu as donné ton token d'identification au mec. Et donc, le mec, très simplement, il peut, avec un simple. Oups. Avec une simple. Tac. Avec une simple ligne de code. Bon, là, je peux pas, mais bon, bref. Avec une simple code, il peut rentrer dans ton compte et faire ce qu'il veut. Littéralement faire ce qu'il veut, il peut changer ton mot de passe, par exemple. Pas pur exemple, reset ton ta double authentification, etc., etc., etc. Mais voilà, faut qu'il y ait déjà une action venant de toi. Enfin, faut que ce soit toi qui appuie dessus. Mais à aucun moment il y a du la communication entre chaque message en fait. Selma, tu es dans la merde. Sache-le. Non mais c'était un peu le cours de... Comment ça s'appelle de cybersécurité du jour. Et c'est pour ça, n'appuyez pas sur les liens, regardez bien qui envoie les mails. Même si vous êtes sûr qui c'est, regardez bien. Tu peux avoir des petits problèmes, hein. Des petites variations dans les noms. Beaucoup de gens sont fait avoir pour pas grand chose. Pour un simple petit I majuscule. Au lieu d'un L minuscule. Rappelez-vous. Ah mais la deux lions. Oh yes, super. Ah, donc regardez bien qui vous envoie le lien, est-ce que... Parce que même si des personnes sont fait pirater, enfin même si une personne confirme que ça fait pirater et que nous envoie ça, ne cliquez surtout pas. Cliquez surtout pas. Voilà. Ma copine a déjà reçu des dizaines de messages comme ça. Venant de personnes de confiance, on va dire, qui s'étaient fait eux-mêmes pirater sans compte. Donc, faites gaffe, vraiment. C'est pour ça qu'après le live, je vais leur expliquer pourquoi c'est impossible, pourquoi il n'y a pas d'IP qui communique. Oula, mais attends, j'ai oublié quelque chose, attends. Parce que bon, on en a parlé, mais j'ai perdu deux personnes en fait. Il m'a fait cette magie Discord. Hein, ouais. Ok, trop tôt. Parfait. Donc voilà. J'ai eu ma petite leçon au moins. Je mourrai moins con, oui. Mais c'est toujours utile de savoir ce genre de choses. Même si tu es pas dans le truc, c'est toujours bien de le savoir. Parce qu'au moins t'es prévenu. T'es pas juste ignorant, si tu vois ce que je veux dire. Gracie morte. Alors. Pour ça, moi j'aime bien partager ce savoir que j'ai dû à mon nombre d'expériences dans le développement. Je le partage. Même si c'est des personnes très peu concernées, même si c'est des personnes quand même toujours. Des personnes prévenues, on va dire, qui sont conscients. Au moins j'y toucherai pas. Ouais, voilà. Le seul truc qui peut être ok, c'est dans les quand tu reçois un gift Discord, normalement il y a discord.com/gift je crois. Et ça tu peux normalement. Mais il faut bien faire gaffe que ça soit bien orthographié et tout. Voilà. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Si je me trompe pas.
Mais j'hésite à faire des petites leçons, on va dire, de cybersécurité sur mon serveur Discord. J'hésite. Parce qu'en vrai, ça peut être vraiment utile parce que même si j'expliquais par exemple sur un autre serveur comment, si on s'était fait prendre par un de ces pièges comme ça, comment on pourrait s'en débarrasser en fait. Et j'expliquais, c'est des vraies méthodes que moi-même j'ai utilisées quand je me suis fait par moment auto-gagner par erreur. Ça arrive à tout le monde. Et pourtant, bah, mon compte est toujours là, quoi. Ah ouais, mais pas grand-chose qu'on laisse. Voilà, mais au pire, j'essaie de reposter ce que j'avais posté sur un autre serveur. Ça pourrait être utile. C'est toujours utile. Même si c'est... Alors, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est très... Pas compliqué, mais complexe. Genre, il faut bien regarder les clés de registre, Windows... Enfin, vraiment, c'est des trucs que, généralement, si tu le fais dans l'extrême, si tu es parano, de ouf, généralement, ils le font pas. Voilà. Si ça peut te rassurer, voilà. Mais moi, par exemple, si je quand je fais top grade, savoir que ce que je dis, je le fais, quoi, en fait. Littéralement, je passe littéralement 2 ou 3 jours à régler mon problème, quoi. Mais j'essaierai de le poster, ouais, si je trouve le temps. Toujours utile d'apprendre des choses même si tu connais pas. Ouais, c'est ça. Toujours utile. Parce que sûrement tu dis bon, je suis pas concerné, bon voilà, je m'en fous. Et quand tu vas t'y arriver, tu vas te dire ah tiens, je m'en souviens, il y a quelqu'un qui m'a dit de ne pas appuyer sur ce bouton parce que c'est un lien bizarre. Du coup, j'ai pas appuyé. Voilà. Je vais dodo, je sais le temps de me reposer, voilà. Mais bon dodo à toi du coup. Mais bon doudou, attends, tout quoi. Guilla Monster. Hop, on va fermer. Ça fonctionne mon cerveau inexistant, mais non. On a tous un cerveau. Juste qu'on n'a pas encore trouvé comment l'utiliser. On n'a pas encore trouvé comment l'utiliser à son plein potentiel. C'est pour ça que tu dis qu'il est inexistant. Mais où est passé mon... Voilà, merci à toi aussi et bonne nuit du coup. Et une prochaine du coup. Du coup, ah, ils sont en train de construire la carrière enfin, mon dieu. Moi je sais, mes points forts sont les points faibles, bon t'inquiète. On en trouve toujours des points forts, on en trouve toujours. Finish off. Est-ce qu'on a assez d'acier, de quoi? Ouais, c'est ça. Aïe. Ah, la Wi-Fi aussi. Tu m'as entendu philosopher sur la sécurité Discord, c'est ça. On m'a entendu en train de débunker ce que avait posté Shomtsu. C'est ça. D'ailleurs, je vais prendre un coup parce que j'ai pas de ma voix. Hein. Ah, j'ai pas secoué. Ah. Et bon. Du coup, on est un peu excité parce que elle ne fait pas ça. Donc, par pitié, fais-le. Oui, je sais, elle a plus d'électricité. Oh là là, que c'est triste.
Voilà. Voilà. Là, ça devrait aller. Parfait. Là, ça me fait penser qu'il faut que je fasse plusieurs, plusieurs circuits. Comme ça. Comme ça, même si on a un câble qui pète, ben, on a toujours l'électricité qui passe. Ah, l'usinage, ça c'est cool. Ah, ça c'est un peu moins cool du coup. Ah, super, il a bu la bière, super. Oula. Oui. Et du coup, on a usinage du coup, ça peut être cool. Ça peut être cool. Un usinage. Hop, et du coup, merci. Hop, hop. Et waste, tu transportes. Parfait. S'il vous plaît, ne sortez pas de là. Pour le moment, on s'en fout d'aller dehors. Finis-moi ça vite. On a besoin de ça. Parfait. Voilà. Donc là, on va pouvoir enfin miner un infini, entre guillemets. J'ai plus assez d'électricité. Si quand même. Du coup là on peut normalement désassembler le mécanoïde. Super. Et on pourrait faire par on peut faire des cocktails molotov. Ouais. Les casques basiques, metal armor. Ça en vrai pour le moment, je m'en fous. Metal armor. US flight. Helmet. Ouais non. Vraiment ça serait trop courant de faire ça. J'ai toujours envie. Putain, j'ai toujours envie le machin. Résonance mineure. Hop. Vêtements à lambeaux. Oh, tous les vêtements à lambeaux. Ok. Oh. Ouais. Ok. Prochaine recherche machine à laver. Hein. Est-ce que objet complexe? Est-ce que j'ai pas genre mutatissé mais genre pour le pour réparer les outils, enfin pour réparer les trucs. Non, c'est pas là. Qui sarge. Vêtements complexes. Tablier de tissage manuel. Électrique. Grande table de couture. C'est peut-être ça. Hein. Là, mais on l'a déjà. Une reconnaissance. Alors. Press shift. Laser tanning. Retire. C'est vrai qu'on pouvait aussi réparer les trucs. Au pire, je fais
Machine à laver. Let's go. Hein. Ah, bah encore la géothermie. Oh mince. Oh mince, mince. Microélectronique, c'est trop utile donc faire là. On n'a pas encore les micro. Ouais, on n'a pas encore la géothermie. Trudy a donné naissance. Nice. D'ailleurs, West, quelles sont tes compétences? Ok. Et toi? Oh. Très bel élément. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, mais c'est des espèces marines en fait, le machin. Ah. Ils s'en aiment pas vraiment, les hommes. Ils se méfient d'eux. Bah, ben merde, hein. Ok, Enrique qui démonte, à peine né, démonte le pire. Tout va bien. Tout va bien dans les meilleurs des mondes. Joli, mais il va le faire en deux. Ça, tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous. Maintenant, tout ça, on s'en fout maintenant. Vu qu'on a suffisamment de personnes. La reconstruction, c'est compliqué. Mais ça, c'est pas grave. Hop, on va tout faire au propre, correctement. Chasseur, qu'est-ce qui baisse? Prise de colère, l'outre. Bah écoute, sans colère. Hein. Je suis un homme en colère. Tu fais quoi toi? Permis de construction de câbles électriques. Ok, nice. Mais pas content, oui, c'est bien. Pas content. C'est quoi là? C'est quoi ça? Ah, un puits. Ok. Ok, du coup. Faire tout en gardant les tâches primaires. Hop. Si ouais, tu veux le faire. Pourquoi tout le monde regarder? Sauf toi, tu vas. Toi, j'étais pas 32 en tout. Voici. Du coup, où est-ce qu'on a du vide? Un jailor. Mais jailor, c'est différent. Je vais mettre sur pause, sinon il va se passer des choses. Jailor, je pense que vaut mieux que ça soit eux qui s'en occupent. Voilà. Dresseur, tu vas te mettre en 3 toi. Cuisine, je vais te mettre en 4. Comme ça tu vas prendre au fur et à mesure. Chasseur, je vais te mettre en 2.
Gazelle aussi. Cuisinier aussi. Non, cuisinier non. Faut que ce soit vraiment des gens compétents. Même lui, j'hésite à lui passer en deux. Le deux là. Quoique, non. Lui deux. L'autre un. Chasseur, ouais, je te mets. En vrai, elle n'a pas besoin de chasse maintenant, vu qu'on a de la bouffe à foison. Ah, bien sûr, toi, tu t'en occupes. Toi, tu vas t'occuper de la drogue. Parce que t'as Small et Smelt qui font quoi que... Ouais. Alors, toi, je te mets en deux. Non, en primaire. Pareil pour toi, je te mets en primaire. Des mots. Ok. Ça. Vous faites tous smelt. Ok, vous faites tous ça. Voilà. J'hésite à le mettre un peu plus haut. Non, on va laisser comme ça. Après l'autre Mortify machin. Mortify, vous le faites en 4 tous. Bien vous le faites et voilà. Mortify, d'accord, c'est bouger cadavre et tout. Ouais. Ben au pire, est-ce qu'on a un psychologue? Un psychopathe, pardon. On a un sanguinaire. Donc on a Morales. On a Morales et West qui sont capables de le faire. Donc West, tu vas Mortify en premier et Morales aussi. Je veux que la recherche avance vite. Voilà. On a suffisamment de gens qui nettoient. Au moment, on n'a pas besoin de plus de gens qui nettoient. Le transport, oui, ils le feront pas, de toute façon. De toute façon, voilà. Cutting. Je vais peut-être te mettre en 2 toi. Oui pour toi. Attends, du coup je vais te mettre en 1. Ça on a... Une fois qu'ils auront fait leur tâche primaire, mais ils vont faire de la recherche. Alors elle ne le fera pas souvent. D'ailleurs peut-être Mina je passe en 2. Pour tout sinon ils vont se bloquer là. Ça c'est une tâche un peu piège ça. Parce qu'en gros, Mina, c'est miner là-dedans. Et vu qu'il n'y a pas vraiment d'assignation pour en parler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ouais, miner ici, miner là, et quand il n'y a plus rien, il a arrêté. On peut pas vraiment leur dire, donc tant qu'elle est là, bah, ils vont miner quoi. Donc ça peut être une tâche un peu piège. Hop, j'ai fait un auto-windows. Mais je pense que ça devrait aller, je pense qu'il nous faut des. Travail. On a un manque un peu de forestier, mais c'est pas vraiment un gros problème pour le moment. Si on globalement on est bien.
On a juste forestier, on est un peu faible. Ah, ça c'est nice. Hiding. Ok. Ok. Lightning. Ok. Ok, ok, ok. Très bien. Alors. Du coup, toi, tu seras tireur. Toi, tu vas être au corps à corps. Toi aussi. Aussi. À distance. Tu seras à distance. Il me faudrait combien de corps à corps ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go, corps à corps, j'en ai 3 pour le moment. Ok. Attention, pas besoin qu'il soit fort au corps à corps. Jésus, il sort de dire que il y a des gens au corps à corps. Un couteau en métal. On va prendre un couteau en métal. Comme ça on en a 3, 4, 5, 6, donc ça sera toi. Hein. En plus t'as 10 de mêlée. Mais tu vas prendre un cleaver et un uranium toi. Et toi, t'as combien de mêlée toi? 3. Pas de massue. Ok, donc ouais, d'accord, ils sont bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. Ah, il y a l'autre qui arrive. Ça va, non, 7. Et l'autre 8. Oh non. Non, c'est pas la mort. Lui en vrai, il est pas important dans le groupe. D'ailleurs, pourquoi il a pété un câble crasseux? Ok. Il nous faut peu pour péter un câble. Donc, ouais, elle est là. Tu vas te faire lui. 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 Tu vas te faire lui.
Ok. Ok, donc... Voilà, tout s'est bien passé. Voilà. Personne n'est blessé gravement. Personne saigne, donc tout va mieux. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien si personne saigne. Oups. Donc ok, Morales est là. Hop, Morales, une fois que t'as fini. Tu vas poser, enfin tu vas déposer les armes. Enfin pas déposer les armes, mais voilà. Hop. Et Ronche, tu fais chier. Bon, écoutez. Et recruter. Oh. On aurait fait quoi, combien? Ouais, une heure à peu près de live. Bon, cool. Du coup, moi je vais m'arrêter là, voilà. Du coup, j'espère que ce gros live quand même de 7h, 7-8 heures même, vous aura plu. Malgré une petite coupe de courant en plein milieu, bon c'est pas grave. Pas très grave, c'est des choses qui arrivent. Nous on se retrouve demain pour je ne sais quoi, mais demain c'est sûr. Mais je crois qu'une petite pour Dungeon World, peut-être. Donc voilà. Du coup, moi je vous dis. Hop. Je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup aux gens qui étaient présents sur le live. Et merci beaucoup aussi à Krios de s'être abonné. Et j'espère que je ne le regretterai pas, j'espère. Et en tout cas, merci à tous. Ou d'ailleurs. Chose que je voulais faire aussi depuis longtemps. Voilà. Où j'ai setup, mon dieu. Hop. Parce que ça fait un moment que j'avais dit que je voulais le faire. Et que je n'ai à chaque fois pas pu le faire. Comment c'est ça. Du coup. Moi je vous laisse. Je vais vous laisser avec une petite surprise. Et du coup, bah, une prochaine, t'es bisous.
C'est quoi cette arnaque, elle n'a pas le sub. Mais c'est quoi cette arnaque? Bref. En tout cas, merci beaucoup à Krios de s'être sub. Du coup, je vous dis, bah, à plus. Et bisous.